Réputé pour être dangereux, le golfe du Lion est, au début du XVIIe siècle, dépourvu d'un havre qui permette aux vaisseaux de guerre et de commerce de faire relâche. Après les tentatives infructueuses de ses prédécesseurs, Louis XIV décide de fonder un nouveau port, baptisé Saint-Louis, au Cap de Sète. Le 29 juillet 1666, une foule de curieux, venus de toute la province du Languedoc, assiste aux cérémonies et aux festivités données par l'autorité royale pour la pose de la première pierre du môle. À cette occasion, est organisée une joute nautique s'inscrivant dans la tradition des joutes royales pratiquées depuis le Moyen Âge. Particulièrement attendu, ce tournoi oppose deux équipages de mariniers selon un dispositif qui se perpétuera. Habit blanc des jouteurs, couleur rouge et bleu des barques, lance, tintaine, accompagnement des hautbois et des tambours. Et déclaré vainqueur, l'équipage du jouteur qui précipite dans l'eau du canal le plus grand nombre d'adversaires. Si les femmes ne peuvent pratiquer la joute, elles font partie des spectateurs et reçoivent de la part de chaque équipage un poème galant. Dans ce tournoi fondateur, voulu par les représentants du monarque, le jouteur victorieux incarne les valeurs aristocratiques de courage et de courtoisie héritées de la chevalerie médiévale.